Et salut tout le monde, c'est de nouveau Agent Shirley pour le Homeless Challenge. Et notre petite Olivia Wilde qui, comme d'habitude, je commence à... Oh, David! David, il s'enjaille. Un rancard. Ouais, un rancard. Donc voilà pour le Homeless Challenge avec... Olivia, bien sûr que je fais dormir à chaque fois pour qu'on se quitte un peu au même temps, entre deux journées, pour pas être trop perturbée par l'aventure d'Olivia. Donc, dans les épisodes précédents, nous avons vu David tranquillement tout en haut d'un bâtiment à San Mucino. Chimuno. Et il s'est passé ce qui devait se passer, hein, en force de se fréquenter, d'être attiré. Il y a eu un bisou, deux bisous. Et voilà. Donc maintenant, ouh, ça va. Il commence à demander le petit rencard. On est bien parti. Et nous voilà. Ouais, elle est toujours tendue, elle est jamais contente, cette fille. Enlacé. C'est comme ça que tu dis bonjour à ton chéri? Enfin, c'est pas vraiment ton chéri. Ouais? Mec, en fait, j'allais te parler, mais enfin. Ok. Ouais? Viens faire un câlin. J'ai besoin d'un câlin, mon chéri. Insulté. Oh! 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 Oh là là, c'est chaud! Alors, ce rencard de mieux en mieux, ça c'est sûr. Ils me font rire parce qu'ils ont en plus à peu près le haut rouge, le bas un peu gris ou kaki, là, c'est rigolo, les chaussures noires et blancs. Ils étaient faits pour être ensemble, peut-être. Vas-y, drague. Toute façon, t'as besoin de sociabiliser. Conversation profonde. Il y a pas un truc dans le coin pour faire crac-crac là? J'ai pas l'impression à hein, ça, je connais l'endroit. Pour moi, il n'y a pas d'endroit pour faire crac-crac. Bon. Est-ce que je pousserai la chose à modifier l'endroit? Ajouter un endroit où faire crac-crac. Parce qu'en fait, ils ont un balcon, mais on peut pas y accéder sur leur truc. Ah, si, là. Ok, mais non, mais moi je verrais bien une penderie quelque part, non? Ou un. S'il faut un fameux buisson, là. Oh là là, dis donc, ils sont à fond là. Hein. Ils s'embrassent sans arrêt, c'est ouf. Et c'est pas moi qui leur ai dit. Donc franchement, c'est que ça colle, ça colle, ça colle. C'est tellement agréable d'être avec quelqu'un à qui je peux parler pendant des heures. Ouais. Ils sont à fond, ça y est. On dirait que tu passes un bon moment, Olivia. Oui, t'inquiète, ça va devenir mieux après. Bon, on va installer un petit buisson. Un petit buisson ici, je pense que ce serait pas mal. Allez, votre construction, s'il vous plaît. Un petit peu... Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ok. Non, 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 on veut... Voilà. Alors oui, alors je vais découvrir tous les nouveaux trucs. Ah oui, les trucs des vampires. Ah. Ah, c'est cool. Les petits buissons. Les épines rampantes. Rosiers secs. Fougères peintes. D'accord. Ça. Buisson, c'est la fête. Voilà,
un petit buisson là, tranquille. Est-ce que c'est à l'abri des regards? Ouais. Ouais. Si on veut. Moi je dis ça, petit buisson comme ça, c'est mignon avec des petits cœurs, tout ça. Peut-être qu'ils vont décider eux-mêmes d'y aller, hein, parce que là, ils sont tellement l'air chaud tous les deux que. Baiser passionné. Oh oui, c'est beau. Oh oui. Excusez-moi, hein, je suis à fond. Je vis l'aventure en même temps qu'elle, hein. Prendre une pose sexy, là, il va plus en pouvoir. Allez, là, il est temps d'aller vers le buisson. Viens dès, mes petits, petits anges. À s'asseoir ensemble. Non, mais non, non, mais je fais rien de mal, hein. Je les rapproche juste un peu du buisson. Ah oui, on peut pas l'emmener à la maison, on a toujours qu'un lit, une place, donc pour l'instant. Oula! Il y a eu un trou, elle a eu les pieds dans le. Viens là, mon chéri! Viens! Viens! Et on dirait qu'il a peur à chaque fois d'aller plus loin, lui. Il voulait déjà pas rentrer l'autre jour dans la maison. Ah! Oula, mais je suis coincée. Plonger dans le regard. Ça va être sympa, ça. C'est beau! Excusez-moi, hein, je prends plein de photos. C'est trop choupi! Ils sont très mignons. Et ils sont un peu buggés. Allô? Ah non. Quand ils plongent dans le regard, eux, c'est pas n'importe comment, hein? Oui, j'ai refait une petite photo. Est-ce qu'on les... Ta-da-da-da-da-da-da. Eh bien, chérie, il y a un petit buisson qui nous attend. Il est temps de penser à autre chose, tu crois pas? Oh oui. Oh oui. Ça a pas pris? Le rancard est presque fini. Mais non. Ils peuvent pas. Ah non, hein. C'est pas possible. Bon, c'est bon, arrête de plonger dans son regard. Vas-y, amène-le vers le lieu du crime. Ah! Ah ah! Ah ah! Yes! C'est la fin du rencard, mais on s'en fout. On va faire des choses dans le buisson. Hop là! Oh ho ho ho! Ça y est! Oh oui! Ouh là là! Ouh là là! Ouh là là! Fouf! C'est trop mignon. Après, je me dis, parce que bon, elle n'a pas le droit d'avoir une petite amie ni de se marier. Mais peut-être que je pourrais lui faire avoir un petit bébé. Ma petite Olivia. Avec David. Oh là 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 là! Ouh là là! Ouh là! Ouh! Hey! Ça, c'est pas mes poses que je voulais juste avec leur tête sortie du truc. Eh ben, c'est pas grave. Fertiliser. Non. Ben, ils vont refaire. Hein. Crac crac dans le buisson.
Bah où? David! Pourquoi il... Mais non. Il est sérieux, il s'est barré? Ok, bon, et ben, rentre à la baraque. Ah, je suis choquée, je m'attendais pas à ce qu'il se barre juste après avoir tiré son coup, quoi, le gars. Non, mais c'est quoi, ces mecs? Bon, tant pis, tant pis, tant pis. Petite déception quand même, hein, mais bon, elle est ravie, hein. Hé, hey, ah non, attends. Attends, attends, attends. Ah. Y aurait pas des trucs à récolter? Des trucs qu'on n'a pas. J'ai déjà galéré l'autre jour à trouver des cerises que j'ai jamais trouvées. Tiens, viens creuser là. Poirier. Poirier. Ah, c'est joli ici, hein, quand même. C'est très joli. Et en plus, il y a du manger, donc c'est parfait. Tu pourras prendre une portion. J'espère que ça a vraiment annulé mon action. Parce que là, sinon, ça me saoulait. Poirier. Je crois que c'est pas ici hein, qu'il y a des. Oh, plomes de terre. Des plomes de terre, ça peut être bien. Vas-y. Ne rentre pas, hein? Ben non, mais c'est pas possible, ça, de faire des actions qu'on annule et qui continuent là-haut. Allez, ça y est. Allez. Ah, bah ça, les crac-crac, c'est magique, hein? Surtout chez les Sims. Bon, ça me rassure, elle va pouvoir faire ses. Ces trucs. C'est encore des fraisiers. Les fleurs de lys. Pff, ouais, bah moi les cerises là, on va dire que je les trouve pas. C'est nul. Les renseignements que je m'étais pris sur internet et eh ben ne sont pas fiables. Bon après faudra qu'on rentre quand même à la maison parce que il y aura du taf à faire comme d'habitude. Oui? Non? Qu'est-ce qu'il a celui-là à me regarder comme ça? Il y a personne. Ah! Il y a le joli bateau qui passe. Ça donnerait presque envie de plonger dans l'eau, hein. Ta main, c'est joli. Hop! Ah, elle était buggée pour changer. Tac! Allez, dépêche-toi! Elle vole, elle court. Festival de l'amour. C'est combien? Bord du thé Sakura. On peut discuter avec d'autres. La demande en mariage parfaite. Célébration des fleurs. Parlez au gourou de l'amour. Posez toutes les questions sur votre vie amoureuse qui vous taraude au gourou de l'amour. Mais attention, le gourou peut être très direct. Jusqu'à 1h du mat. Bon, très bien. On va peut-être y aller. On va après à la maison. Hop. Non, toute seule.
C'était oui mon sac là de plomb, j'étais dégoûtée parce que j'avais récup qu'une marguerite et deux vieilles carottes pourries. J'étais un peu dégoûtée. Allez! Allez, zut, arrête. Olivia. Oh! Vous? Non, moi c'est un vieux truc que j'ai mis, voyons. Tac, 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 ta da 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 da. Une petite pomme de terre. Je sais pas combien ça coûte une pomme de terre. Bon, pour qu'il y en ait 10, ouais, 2. Bon. On verra, on verra. Je peux peut-être faire des croisements pommes de terre. Pommes de terre, je ne sais pas quoi. J'ai pas l'impression qu'il y en a dans le listing. On peut. Peindre des toiles au Festival d'Amour est une activité branchée du moment. Envie d'essayer. Allez! David, c'est David en même temps. Il parle du Festival de l'Amour. On vient de faire crac-crac avec lui. Ouh, quand même. Il nous était destiné, ce David. Les gnomes magiques, ça peut être pas mal ça. Pourquoi je vais refaire faire sa maison? Ça, c'est les nouveaux trucs que j'ai pas encore fouillé parce que c'est dans Vistadine que je viens d'acheter. Ah! Alors, ok. Oui, planète Pop Miel. Ah, oh, c'est vachement beau! Ah, oh, c'est trop trop beau! L'arche de mariage. Non, j'ai pas le droit de la marier. Ah, punaise, c'est trop beau. C'est super sympa. J'imagine qu'il doit y avoir aussi des feux d'artifice. Alors, peindre des toiles. Donc on a notre petit chéri qui est là. Ouais, il s'en est toujours parmi, hein. Voilà, les données des meilleurs amis, ce sera toujours ça. Complimenter la nuit. Non, mais de toute façon, il est pas. Qu'est-ce qu'elle veut? Enlacé. 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 La 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 la. Yibzims. Et là, ils ont du style, hein. Plaisanter sur le fait d'être ensemble. Déclarer sa passion. Décrire le rêve coquin sur. Les rêves coquins, vas-y, vas-y, ça m'arrive des fois aussi d'en faire sur des gens que je connais même pas en fait. Pas tant que ça. C'est assez rigolo. C'est tout? Ah punaise, ils sont devenus de ouf là, ça a vachement monté. Parler de l'ambiance enjôleuse du festival, ouais. Tu vas faire un bisou? Embrasse-le et après tu vas aller faire pipi. Je veux bien que tu fasses une toile. Ah oui, mais ça va me coûter de la thune. Le fameux thé. Comment on fait pour lancer des pétales? Ah bah c'est ça, d'accord. Il est où le gourou? Où es-tu, petit gourou? Je veux savoir mon avenir. Gourou de la mûre. C'est quoi là?
Installer les objets. Il n'y a rien dans l'inventaire. Bah si, on a des trucs dans l'inventaire, s'il te plaît. On a un poisson. On a des carottes. On a des feux d'artifice, on a des pommes. S'il te plaît, quoi. Mais de où peindre une toile? Ah, c'est lui qui est peur. Eh, je suis complètement paumée. Il est où? David! David! Mais il est où le punaise de gourou là? Oh, bah, ils sont en train de se faire des bisous. Mais c'est pas possible. C'est sans arrêt, hein. Lancer de pétale. Pas faire crac crac dans le coin. Voilà, un loop, super look la fille là. Amour. Bon, il est où le gourou? Allez, on va boire du thé ensemble. Qui sont tous ces gens? J'adore, c'est trop beau quand même. Eh, hey, t'as du style, cocotte. Je sais pas si c'est un style qui est sympa, en tout cas t'en as. C'est pas lui le gourou? Il est enturbané. Non. C'est hyper sympa cette idée de faire du festival. Ils sont tout juste amoureux, hein. Ils sont encore un peu sur la réserve. Enfin, si on veut. Oh, bah pourquoi? Va t'asseoir là, cocotte. À côté de ton homme. Ah mais lui aussi il a des petites oreilles comme l'autre dans l'autre épisode. Allez, dites-vous des choses. Bon, on n'aura pas bossé nos plantes hein, aujourd'hui, ça aurait été spécialement David. Hein. Oh. 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 C'est beau. Ah, c'est dommage que je puisse pas la... Que je puisse pas la faire se fiancer ou quoi, ok, ça. Pour qu'il y ait une si belle alchimie entre deux sims, des fois on galère. Et des fois, c'est... C'est évident, comme là. Oups. Ça lui fait quoi d'avoir bu du thé? Rien. Ouais, ça l'angoisse par contre. Il doit pisser lui maintenant. On fait lui un petit bisou. Fais un lancer de pétale, t'as raison. Je veux des petites oreilles aussi, mais je crois que c'est un truc, c'est moi qui l'ai installé. Je sais plus. Bon, et moi j'ai... Ah si, c'est elle le gourou! Ah, punaise! De se renseigner. Ouais. Elle est vieille, la gourou. Hein. Celle qui, tout à l'heure, a foutu un vent à un mec, je l'ai vu. Va pisser, chérie. Je t'inquiète pas, je m'occupe. J'ai des trucs à voir avec la dame derrière. Non, ah. Voilà, présentation chaleureuse.
compétence 5 du niveau de charisme. C'est son destin romantique. Y a pas de pisser dessus devant nous, David, hein, parce que ça va être compliqué. Ah, la tête qu'il fait. J'adore quand ils font cette tête-là, les cimes, avec la petite lèvre qui bouge. On te parle plus, là, tu peux aller pisser, hein. Alors, on va savoir ce qu'elle dit ou rien du tout. Les vibrations montrent une personne inconnue, grande et mystérieuse dans vos futurs proches. Bah non, il est là. C'est super. Il est déjà là, mon amoureux, en fait. Demandez une parole sage. Allez. Il reste pas très longtemps. 30 minutes. Qui c'est qui crie là? Qui est, on dirait, quelqu'un qui faisait une manif. Ah non, c'est ceux qui vendent à bouffer. Ah, ça, c'est le truc qui fait crever, là. Acheter une babiole. Non. Un homme sage a dit un jour, qu'est-ce que l'amour? L'amour fait souffrir? L'amour est l'amour, alors. Aimer. Ah, une boule à neige. Cierge magique. Tube de bulle du festival de... Oh, ouais. Ça demande de l'amour. De la thune dépensée pour pas grand-chose. Faire des bulles. T'es fatiguée, cocotte. On va rentrer. Ah ouais, il y a une heure passée. Ah, c'est trop chou. Non, attends, garde-en pour... Allez. Oui, alors, on va dire au revoir à notre chérie d'amour. Voilà, on va l'enlacer. On va l'embrasser. Tant qu'à faire. On va... embrasser. Et... je sais pas s'il y a dire au revoir. Non. Et après, on rentre. J'aime beaucoup ce petit festival. Non, on va aller chez toute seule à la maison. Je suis désolée, chérie. J'ai pas le droit d'avoir petit ami. Oui, on rentre à la maison. Parce qu'en plus, elle a rien fait. Elle a pas bossé du tout. Bonjour, Ram. Hein. Vous pouvez le remarquer. Alors, on rentre à la maison. C'est parti. Et nous voilà rentrés à la maison. Oui, bah, elle va se coucher tout de suite. Hein. On n'a pas trop le choix. On fera le jardin demain. Hop, 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 hop. Le jardin qui aura bien besoin, là, parce que... Ouh, ouh, ouh. Ouh là là. Ouh là là. Tu vas manger. Tu vas utiliser... Hop, toilette, douche. Pourtant, elle était remontée à bloc, hein. 8h15. Bon, c'est encore un peu matinal pour un dimanche matin.
Mais j'ai dit que tu devais manger aussi, hein. Surtout ne pas te laisser crever de faim. Et après, entretenir le jardin. Et il y a de quoi! Tout est jaune, c'est horrible. Alors, on va en profiter aussi pour planter du raisin, qui est à 12, 10, 12 simflus. Alors, je sais, c'est que ça va me prendre de plus en plus de temps de faire le jardin. Si je rajoute sans arrêt des trucs à s'occuper. Mais de toute façon, après, je vais virer, je pense, ce qui sera pas le moins intéressant. Peut-être. Genre les carottes, j'ai pas l'impression que c'est hyper intéressant. Pff, ouais, franchement, non, les carottes, c'est de la merde. Ok. On va se débarrasser des choses. Marguerite, bah du coup on s'en fiche, ça m'a coûté je ne sais combien pour ça. Des poires. Hop, pommes de terre. Chrysanthème 4. Genre les fraisiers en fait, ils sont pas intéressants les fraisiers. On va regarder que les fleurs. Carottes, ça dégage. Les mufliers. Ah, 570, ça c'est bon ça. Les lys, 360, c'est trop bien. Et on parie qu'avec les roses, on atteint le 10 000 dollars. Le simflouze, wouhou. Parce que là, 80 roses. 80 roses. Oh non! Ah, mais c'est pas le bon truc là, ça arrête pas de sauter dans tous les sens. 80 roses, 852. On a touché le pactole. Les raisins, on vend aussi. Ah là là, on est plein de thunes. Émeraude. Et mais punaise, à tous les jours, il y a un truc là. Marché aux puces maintenant. Enfin, je vais juste regarder les informations. Parce que même si j'ai déjà vu par des let's play, je veux voir quand même ce qui est écrit. Acheter des ordures ou des trésors, super. Les ordures d'un sim peuvent être les trésors pour vous. Effectivement. Enfin, c'est pas non plus des ordures, faut pas exagérer, mais bon. Parce que je fais des brocantes en vrai, hein, dans la vraie vie. C'est pas non plus des ordures. Boule à neige et affiche. Installe un stand. Ça pourrait être pas mal, ça. Échanger vos objets. Ok. Non. Non, non, on va pas y aller. Hop. Mon chrysanthème, je les garde pour l'instant. Je sais pas si je vais en faire quelque chose. C'est quoi ça? Ah oui, c'est les bulles. Pommes de terre. Là, je vais remettre en accéléré. Si je mettais les pommes de terre dans le frigo. Je sais pas, peut-être qu'on peut faire à cuisine un truc normal. Tomates, légumes. Beaucoup de tomates. Hein. Oula, qui c'est celui-là? Vincent Bernard. Qui es-tu, Vincent Bernard? On ne se connaît pas, on dirait un peu Ken, on dirait un Chippendales. Notre cœur est déjà pris, en fait. Donc, je suis désolée, mais et on va envoyer un petit message à chérie. Entre deux. Alors, et nos plantes hybrides. Fruits du dragon. Ça n'a pas encore poussé les fruits du dragon. Et c'est celle-là aussi qui fait de l'orchidée. Ouais, les fraises, je pense que je vais les dégager bientôt. Oh, les rosiers, mais il y en a tellement. Les rosiers, normalement, si je greffe, ça ne fait rien. Est-ce que je grefferais un truc, une fleur ou un fruit? Ah! Voilà, débarrasser des
Putain de mouches et de pucerons! Eh ben, c'est qu'il y en avait, hein! Nous avons des bananes qui ont poussé aussi. Banane plantain, je suis pas sûre que ça rapporte beaucoup. On va dire que tout ce qui est en dessous de 10 simflouz l'unité, on va jarter. Parce que ça fait beaucoup de temps qu'elle passe à faire ça, à faire ses plantes. Donc si ça rapporte moins de 10 simflouz, on dégage. Parce que faut penser aussi à la quantité et à la qualité. Ouais. T'en as encore deux autres à planter. Ça, tu vas arroser. J'aime bien ce que le petit tas de terre il bouge. Hop là. Et là, il vole le truc et pouf, il revient à sa place. Le petit. Oh, ma pauvre bichette. Envoie un texto à ton chéri. Ah! Non, 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 tu vas pas. C'est nouveau l'attrait de caractère. C'est énorme. Tu vas tout récolter. Tout récolter. Oui, t'as faim. Ah, bichette. Mais t'avais pas mangé ton truc là? Ton gloubi-boulga dégueulasse. Oh là là, puis c'est sale. Ouvrir. Putain, à cause de poisson. Médiocre. Médiocre. Bon, tu vas brancher ton tacos de poisson, ce sera meilleur. Tu t'asseras et tu regarderas la télévision. Tu auras bien travaillé. Oui, 17h, tu t'es levé à 8h, t'as fait quasiment que ça. Donc je pense qu'au niveau du jardin, c'est pas mal. Alors, les bananes, elles valent combien? 5. Ouais, bah. Sauf si je greffe. C'est pas intéressant. Après, tu pourras peut-être faire évoluer tous les trucs du jardin. Les carottes, on est d'accord que ça rapporte rien. Ok. Donc, je vais jarter tout ça. Les bananes. Même si c'est très bon. Les pommes, ouais, les pommes, elles sont à 7. Je vais jarter ici les pommiers. Très bien. Ah, et les fraises, n'en parlons pas. Je vais jarter beaucoup de choses. Ah, j'étais en train de me les noter pour pas me gourer tout à l'heure. Quand est-ce que je les virerai? Les jacinthes, les lys, les mufliers et les roses, c'est ce qu'il y a de mieux. 80 roses. Pff. Oui, cocotte, va. Bah, elle prend pas le réflexe d'aller s'asseoir quand même quand elle mange. Pourquoi ça s'est plus en accéléré? Bon, ben on va vendre tout ça. 880. Pff. On est plein aux as. 240. Oui. Les mufliers 570. C'est les rosiers hein, qui coûtent plus. Hein. Ah, mais punaise. Les fraises. Voilà. Les fraises, j'en ai besoin que pour faire des machins là, des fruits du dragon. Eh vas-y, maintenant, tu vas prendre un peu de bon temps avec ta super télé. Aujourd'hui, tu vas regarder quoi? Tu vas encore regarder Urgence?
Non, ça a l'air d'être de l'action. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que c'est un coffre. Lara Croft, peut-être? Avec des méchants, là, va devoir se battre. Voilà. Bon, après, je sais pas si Lara Croft, elle se bat. Je sais qu'elle grimpe un peu partout. Oh, c'est un pouvoir! Ouh! Waouh! Bon, ben, elle a perdu. Là, on dirait que c'est un peu loup-garou, ça me fait penser. Ah bah c'est ça, il se transforme en loup-garou. Oh là là, mon Dieu! Il paraît qu'il y en avait dans les Sims 3. Bon, moi j'ai jamais vraiment joué avec beaucoup avec les add-ons que j'avais des Sims 3. J'en avais que deux, si je dis pas conneries, j'avais Superstar et Vampire, enfin les trucs vampires, je sais pas quoi. En fait, je sais que j'avais des vampires un peu partout dans la ville. Le problème, c'est que comme je faisais un legacy, j'ai jamais joué avec les vampires vraiment. J'en avais dans le coin, dans la famille, tout ça, mais j'ai jamais transformé et joué avec un personnage. C'est bien dommage d'ailleurs. Et mon legacy, j'ai jamais pu aller jusqu'au bout parce que mon PC a planté et j'avais perdu toute ma partie. J'étais en genre à la génération 8. Et en parallèle, j'avais commencé mon premier legacy sur les Sims 4 et j'étais à la génération 3 et pareil, donc j'avais tout perdu. Donc j'avais tout. Du tout recommencer. Maintenant, mon legacy est fini. Pour de bon. C'est pour ça que je fais les petits challenges. C'est une autre façon de jouer et de s'approprier le jeu. Je trouve ça cool. Rigolo. Allez, c'est fini, cocotte. Ouf, elle est rapide. On va pas faire évoluer tout, si elle va tout faire évoluer. C'est vraiment. Je comprends pas. Des fois elle fait tout évoluer, des fois pas. 22h20, tu es fatigué. Il n'y a plus rien qui demande à être. Bon, bah très bien, tu vas être couché alors. C'est parfait! Voilà, et du coup, moi je vous quitte ici pour cet épisode qui était très largement basé sur l'amour. L'amour avec David, David Garcia. En tout cas, je vous remercie pour m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Salut!